Menschen und Tiere, Planeten und Sterne sind für mich Himmelseier, die ich in die Zeitkiste verpacke. Und genau das versuche ich in meinen fantastischen Realitäten in Form von Symbolbriefen zu zeigen. Das sind sechs Bischöfs mit der Law. Die Bischöfe haben etwas zu tun mit unserer Geschichte, mit unseren Religionen, effektiv auch Wirtschaft und Politik und vielen Sachen, die jetzt dann direkt auf uns loskommen, wo wir ja auch bereits schon mit drin sind. Thank you.
sweet, sweet substitute. Now such a pretty baby. Ooh, my sweet, sweet substitute. She always tells me, says she's mine, mine, all mine. Won't believe me when I said true love is blind. Hey, 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 got those loving ways, my little baby. Keeps my head all in a daze. My new recruit, yes. Mighty sweet and cute, yes. Baby, I've gone crazy. I don't need no regulars, yes, I love her. Love my sweet, sweet substitute. Mais les Indiens d'Amérique, les Indiens Hopi, les aborigènes d'Australie, le vaudou en Haïti, ont tous cette même pensée qu'on appelle une pensée magique. Ils croient, c'est Dieu, c'est en fait un monde intermédiaire, mais qui intervient dans le monde des vivants. Voilà. Et évidemment, pour un artiste, c'est nourrissant de pouvoir puiser dans ces croyances, non seulement en tant que thématique, en tant que moyen d'influence, mais aussi en tant que tous ces symboles qu'il présente. C'est très riche pour un artiste comme Hurtz de pouvoir être influencé par ces civilisations-là, parce que c'est une influence non seulement artistique, mais c'est une influence, presque religieuse, une influence mystique. Mais je ne pense pas que Hurtz ait eu besoin d'aller chez les Indiens pour avoir cette influence-là. Je crois qu'en tant qu'enfant, il était déjà comme ça. Ces œuvres me font penser aux gravures rupestres qui datent de 2400 ans avant Jésus-Christ, qui sont au pied du mont Bégo dans la vallée des Merveilles. Et les premières œuvres de Hurtz étaient un peu dans cet esprit. Et petit à petit, l'œuvre est devenue de plus en plus poétique et dans le cosmos, dans un univers un peu sidéral. On est presque au milieu de planètes, avec une légèreté et une poésie qui est extrêmement séduisante et qui plaît par la couleur et le jeu des lumières. Thank you.
sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de paradis, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'ouïr à deux le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, des routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de paradis, je ne perdais pas au change, pardi.